Alors, on installe le recorder au cul de la caméra. Hop, on allume la caméra sur position caméra. Le recorder. Tac. Après, tu peux filmer l'écran. Il demande la date. Vous en foutez, donc vous appuyez sur le bouton menu qui est en bas ici. Tac. On passe à autre chose. Et là, normalement, on ne peut pas enregistrer. Et, ah, si, on peut. Ça, c'est pas de bol. Si vous ne pouvez pas enregistrer, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas, vous allez dans menu. Hop. Là, tu regardes l'écran maintenant. Avec la petite molette qui est à côté du bouton menu, vous allez. On est allé où tout à l'heure? Dans les deux flèches, là. J'appuie dessus. Et on va dans contrôle enregistrement extérieur. On clique. Il faut bien que ce soit sur synchronise. Donc là, il y est déjà, mais il y a plusieurs options. Il y a arrêt, relais, etc. Donc nous, c'est synchronise. On fait OK. On appuie sur le bouton menu pour sortir. Et si ça ne marche pas, vous rappuyez un petit moment sur caméra link, le petit bouton là. Là, le logo est déjà inscrit. Comme quoi, il y a bien une liaison entre le recorder. Oh, il y a un petit logo ici. Comme quoi, il y a un lien entre le recorder et la caméra. Et là, quand on appuie sur Rec, tac. Ouais, le bouton rec, quand même, vous allez le trouver, je pense. Et bien, du coup, on a un mode enregistrement ici. Voilà. Et bien, super. Merci. Non!